Le 20 mai dernier, on a appris la mort d'Harry Boulogne, le fils illégitime d'Alain Delon. Pendant toute sa vie, Harry s'était battu pour obtenir un test de paternité de la part de son présumé père. Mais ce dernier n'a jamais accédé à la demande de cet enfant et refusait même de lui adresser la parole. Dans la famille Delon, seul Anthony a réagi à la mort d'Harry. Le reste du clan, c'est le calme plat. La dernière apparition d'Alain Delon sur les réseaux sociaux remonte au 18 mai. C'est sa fille Anouchka qui avait partagé un cliché à ses côtés sur Instagram. Hier, briefing avant Hong Kong, avait-elle écrit en légende de cette image avant de se rendre en Asie pour rendre un hommage consacré à son père. Et quelques jours plus tôt, c'est Anthony qui honorait son père à Antibes. Alain Delon devait faire le déplacement pour assister à cette exposition en son honneur. Mais finalement, il a préféré se faire remplacer par son fils. Trop fatigué, il a déclaré forfait. À 87 ans, Delon préfère ménager sa santé.